ambiance chaleureuse, de générosité, de volonté. C'est vraiment extraordinaire d'être à leur côté. C'est une leçon de courage, de volonté pour toutes les personnes qui peuvent voir ce type de compétition. Je trouve ça extraordinaire et c'est vraiment une émotion grande pour moi. Pour nous, c'est une étape importante. Ça fait longtemps qu'on s'intéresse au handicap, à la pratique de l'escalade pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup de clubs accueillent des personnes en situation de handicap, mais c'est la première fois où on arrive à organiser un championnat de France, à décerner des titres de champion de France dans plusieurs catégories. Et c'est juste l'aboutissement d'une longue histoire. Le côté décisif, c'est surtout le sélectif pour les championnats du monde. On a passé des critères de sélection qui sont être champion de France plus réaliser les deux voies de qualification. En quoi c'est décisif encore aujourd'hui? C'est surtout que c'est le premier championnat de France. En tant que premier championnat de France, ils sont tous motivés à être le premier champion de France handi-escalade de l'histoire. L'ouvreur de compétition handi doit éviter les obstacles trop techniques, trop physiques. Voilà, donc pas trop de pièges. Hein. L'idée, c'est de leur permettre de s'exprimer. Et en fait, on voit que dès lors que les athlètes, les grimpeurs et les grimpeuses s'expriment, réussissent à monter, à passer la moitié de la voie, etc., le public, tout d'un coup, ça monte. Le grimpeur, il est poussé par ça. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment fabuleux. Et voilà, ça sera certainement les points forts des finales handi sur le championnat du monde. Ça sera un moment très très fort à ne pas louper, c'est sûr. Escalade, on a donc une première catégorie qui sont les amputés jambes, unique quel que soit le lieu d'amputation, l'utilisation ou non de la prothèse. Ensuite, on a les amputés bras. On a créé deux catégories, amputés bras au niveau de l'épaule et amputés bras au niveau du bras ou de l'avant-bras. Là, par contre, la prothèse est interdite. On a ensuite les déficients visuels, classés en trois catégories, B1, B2, B3. B1 étant les complètement aveugles. Et enfin, la grande catégorie, déficients physiques et neurologiques, classés aussi en déficients NPD 1, NPD 2 et NPD 3. NPD 3 étant les moins déficients et NPD 1 les plus donc déficients. Les athlètes handi sont vraiment exceptionnellement résistants, endurants. Je vais dire endurants parce qu'ils sont capables d'aller sur des longueurs d'effort. Même si l'effort est moindre en intensité, ils sont vraiment très résistants et ça fait vraiment mal dans les bras. Vraiment, vraiment. Alors que chez le valide, en fait, il accélère. Donc dès que ça va plus, c'est vraiment pas du tout pareil. C'est un beau sport à part entière, quasiment, l'escalade handi. Ça reste de l'escalade, mais il y a un plus.